Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous. Aujourd'hui, veillée pascale, résurrection du Seigneur, fils et filles du bon Dieu, en cette nuit qui illumine la splendeur du ressuscité, nous sommes invités à célébrer notre propre passage de la mort à la vie, du péché à la résurrection. Oui, or, en appelant Jésus à une vie nouvelle, Dieu n'a ni annulé ni banalisé sa mort humaine. Il a changé la signification. Oui, parce que Jésus a changé ton adresse aujourd'hui. La résurrection de Jésus atteste que l'épreuve angoissante de la mort ouvre un passage vers la communion avec Dieu. L'épreuve de la souffrance ouvre ce passage vers la communion avec Dieu. L'épreuve de la maladie ouvre ce passage vers la communion avec Dieu. L'épreuve des situations difficiles, l'angoisse ouvre ce passage vers la communion avec Dieu. Oui, le mot Pâques désigne ce nouvel exode hors du pays de l'idolâtrie, du mensonge, de l'injustice, de la violence, de l'injuste violence. Oui, car la libération pascale n'éclaire pas seulement l'au-delà de notre mort corporelle. Elle s'accomplit dans le mystère quotidien de notre renaissance. Si magnifiquement évoqué par les grands symboles de la veillée pascale. Pour mettre chose, la lumière, la parole, l'eau du baptême, le pain et la coupe eucharistique, fils et filles du bon Dieu. Des pages de la Genèse et de la création à sa ressemblance, tu avanceras jusqu'à comprendre que Dieu ne reprend pas sa promesse de vie avec l'épisode d'Isaac et de son père. C'est ensuite exode de sa promesse, la liberté que tu apprendras. Puis, laisse-toi former par les prophètes. Oui, tu saisiras avec Isaïe la douceur de Dieu et son amour pour que pour ceux qui le cherchent, fils et filles du bon Dieu. Oui, et qui entendent la même parole que tu entends ce soir. Baruch te révélera la sagesse de Dieu pour ta vie. Ézéchiel te murmurera que Dieu sans arrêt vient à ta rencontre et celle de tous les hommes, toutes les femmes, t'invitant à vivre de lui et à l'annoncer, fils et filles du bon Dieu. Puis Saint Paul l'apôtre te redira que pour toi, pour chacun de tes enfants, ces événements du temps de tes pères dans la foi te sont proposés au présent en vivant de ton baptême tous les jours. Enfin, les femmes de l'Évangile continuent pour toi leur mission. Elles te disent qui te précède en Galilée et que là tu le verras, fils et filles du bon Dieu. Quelle est en Galilée aujourd'hui? C'est-à-dire les lieux de la rencontre du Seigneur. Ta Galilée, c'est l'église, fils et filles du bon Dieu. Ta Galilée, d'aller également auprès de tes frères pour annoncer la bonne nouvelle, fils et filles du bon Dieu. Oui, ces lectures ne sont pas une belle histoire qui ne te concerne pas. C'est pour cela qu'après chacune de ces pages, tu es invité à répondre par le chant des psaumes à la proposition de vie que te fait Dieu ce soir de résurrection. Oui, mesures-tu l'extraordinaire don qui t'est fait dans le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ? Cette nuit, la révélation de Dieu vient en pleine lumière en Jésus-Christ. Lui, le lien unique et définitif entre le Père auquel il fut toujours attaché et l'humanité dont il est totalement solidaire, fils et filles du bon Dieu. En cette nuit, fils et filles du bon Dieu, va dans la foi dans l'église, rencontre le Seigneur. Dieu n'a maintenant qu'un projet unique, annonce le prophète, c'est de consoler mon peuple, son peuple, après ces déboires tragiques. Le Seigneur invite gratuitement à son festin, car il veut le bonheur de tout un chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, fils et filles du bon Dieu, à travers ces textes, nous voyons toute une préparation. Le Seigneur a préparé ce qu'on appelle l'économie du salut pour que chacun de nous puissions voir les merveilles du Seigneur, la résurrection de son Fils bien-aimé. Marc
Le chapitre 16, le 8 premiers versets. Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Fils et fille du bon Dieu, se demandent les femmes. La vie du Christ, plus forte que la mort, s'en est chargée, fils et fille du bon Dieu. Marc nous décrit sur le vif comment trois femmes, préoccupées de soucis bien humains, qui cherchent d'entrer le tombeau, fils et fille du bon Dieu. Oui, mais seulement un jeune homme vêtu de blanc, que celui qu'elle tenait pour mort est ressuscité. Par son récit sobre, en apparition surnaturelle, Marc nous invite, fils et filles du bon Dieu, à chercher les signes de la résurrection de Jésus dans notre vie quotidienne. Jésus est bellement ressuscité, bel et bien ressuscité dans ta vie, fils et filles du bon Dieu. La résurrection du Christ n'a rien à voir avec le simple retour à la vie d'un homme qui était mort, fils et filles du bon Dieu. Cet homme nous donne des preuves à travers ses apparitions, afin que nous également, nous puissions porter cette bonne nouvelle aux autres, fils et filles du bon Dieu. Le Christ, par sa résurrection, fait de la mort un passage vers la gloire, une transition vers la plénitude de la vie, en parfaite communion avec Dieu, fils et fille du bon Dieu. Dorénavant, nous avons l'assurance que dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur, fils et fille du bon Dieu. Ce n'est pas un événement isolé dans l'histoire. C'est la plus grande fête chrétienne, fils et filles du bon Dieu. Soyons dans la joie. Oh, la joie, fils et filles du bon Dieu. Fêtons-la avec éclat. Le Seigneur Jésus nous a libérés de Satan, du péché et de la mort. Est venu pour libérer chacun de nous. Reçois la victoire, fils et filles du bon Dieu. Oui, le Christ te veut vivant. Dans le quotidien de ta vie, fils et fille du bon Dieu, la mort, ce n'est pas seulement la mort physique. Il existe aussi la mort morale et spirituelle. Souvenons-nous de la parabole dite de l'enfant prodigue, Luc 15, 11 à 32. Il était mort, il était perdu. Maintenant, il est revenu à la vie. Avec le Seigneur, fils et fille du bon Dieu, revenons à la vie. Parce qu'il veut nous donner une nouvelle vie, fils et fille du bon Dieu. Oui, la puissance de la résurrection du Christ ne se limite pas à ouvrir aux défunts les portes de la vie éternelle avec Dieu. Elle s'étend aussi à toutes les formes de mort qui existent dans le monde, fils et filles du bon Dieu, qui existent dans nos vies, fils et filles du bon Dieu. Oui, la résurrection du Christ est source d'énergie pour nous tous et doit nous redonner vie, fils et filles du bon Dieu. Reçois cette vie de la résurrection. Reçois cette restauration de ta vie, fils et filles du bon Dieu. Il y a des gens qui sont comme des téléphones déchargés, des hommes et des femmes déchargés, des couples déchargés, des familles déchargées, des personnes déchargées. Non, fils et filles du bon Dieu, le Seigneur veut que tu puisses avoir la source, c'est Jésus-Christ. Sois chargé en lui par rapport à ta vie, fils et filles du bon Dieu. Les sacrements de son Église et à travers son Évangile, sa parole, c'est la vraie énergie renouvelable qui pourra nous charger, fils et filles du bon Dieu, et durable dont chaque être humain a besoin pour vivre en plénitude, fils et filles du bon Dieu. Et c'est là où nous avons des sources d'énergie pour les autres, des sources d'énergie pour notre vie de foi, fils et filles du bon Dieu. La résurrection de Christ nous invite, fils et filles du bon Dieu, à abandonner le Judas qui est en nous, le Yuda qui est en nous. Même si ici au Gabon, on a dansé la chanson Yuda, Yuda, les gens étaient en joie de danser cette chanson alors que ça glorifiait le nom de Judas, fils et filles du bon Dieu. Il faut abandonner le Yuda qui est en toi pour revêtir le Christ. Voilà pourquoi, fils et fille du bon Dieu, sois avec le Christ. Le Christ te veut vivant, fils et fille du bon Dieu. Sois chargé en lui, fils et fille du bon Dieu. En lui, avec Jésus-Christ, il y a toujours les réseaux. Et demeure dans ces réseaux pour la restauration de ta vie, fils et fille du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess, tout nous, depuis la paroisse Saint-Michel de Kembo.
C'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction. N'oublions pas. Kipe, Yayo et Tokos de la résurrection, chacun de nous. Tokos de la restauration, fils et fille du bon Dieu. Oh, la joie de la résurrection. Alléluia. Le Christ est vraiment ressuscité pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Merci, Seigneur. Que ta gloire puisse se répandent partout dans le monde. Merci Seigneur, cette journée. Et bonne fête en tout un chacun de vous, en tout un chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oh, 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 oh